Everybody want to know, is Ghost really dead, bro? Like, why they want to know, Fred? Because you know why I'm asking. We've never seen a character. We've never seen nobody like that. We've never, ever, ever seen nobody like that. Here's how I'm going to answer that. There was no Ghost RIP, like the RIP assets that they used to do after people died. And there is more story to tell. I know you're sick of this question. With power and what you did there and what you built, I mean, it's really kind of unprecedented. I mean, similar, I think, to what, you know, Jim Gandolfini did for HBO. There's an entire empire built there, and it's built, you know, on the shoulders of this character. Eh bien les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo, et pour le coup, il était important pour moi de la faire, puisque c'est avec une immense joie que je vous présente ce nouveau format, le 100% Acteur Enquête. Et là vous allez me demander, alors le 100% Acteur Enquête c'est quoi ? Eh bien, c'est un contenu qui revient sur différents acteurs que j'apprécie et qui ont marqué l'histoire du cinéma et de la télévision en faisant une rétrospective de leur carrière. Cette première sera sur l'acteur Omar Hardwick. Vous le savez tous, les vidéos que je partage majoritairement sur la chaîne sont des contenus sur le Power Universe. Il était donc impossible pour moi de ne pas commencer par cet acteur qui, selon moi, a laissé une trace indélébile sur les séries afro-américaines, et il mérite qu'on parle de lui. Un parcours semé d'embûches avec des victoires mais surtout des défaites, un personnage aux multifacettes, il est selon moi un acteur qui reste sous-estimé. Comme si on ne souhaitait pas vraiment qu'il mérite son succès. Nous allons donc en débattre dans cette vidéo, alors j'espère comme d'habitude que tu es bien installé et bien hydraté car cette vidéo va être très épicée, tu le sais déjà, enquêtons. Alors c'est simple, pour commencer, faisons une rétrospective de la chronologie de cet acteur. Omari Hardwick est né le 9 janvier 1974 à Savannah en Géorgie. Il va grandir dans une famille plutôt aisée à Decatur, une ville dans la périphérie d'Atlanta. Et si je vous donne une petite anecdote, j'ai moi-même vécu pas très loin, puisque j'ai vécu à Atlanta, et ça me parle beaucoup plus. Bref, son père Clifford Hardwick est un procureur reconnu, et sa mère Joyce tient une modeste épicerie. D'après les différentes informations que j'ai pu avoir de sa jeunesse, Omari Hardwick a grandi dans une famille avec deux frères, Jamil et Malik, avec qui il sera très proche, ainsi que sa sœur Shani. Son enfance se passe plutôt bien, sans réel traumatisme, même si son père a tendance à lui mettre la pression de bien travailler à l'école. Alors là, vous allez me dire, c'est normal, c'est ce que tout père peut faire, et pour le bien de son enfant. Il va donc en grande partie lui inculquer l'esprit de la gagne, et on comprendra un peu plus tard que cela aura un impact important dans sa vie adulte. Bref. Son père étant procureur, tient à garder une réputation positive auprès de ses proches et de ses amis, et à la vue des autres, il était important pour lui que ses enfants soient exemplaires dans la réussite des études sportives et toutes les disciplines entreprises par les enfants. Résultat, les enfants Hardwick vont être connus pour leur sérieux, mais un va sortir du lot. En effet, Omari Hardwick va être connu dans son lycée comme un élève modèle et surtout, toujours hyperactif. Si on continue dans la chronologie, en 92, on est en plein moment de sa vie où il effectue ses études à Marist, un lycée ordinaire, réputé pour être majoritairement blanc. C'est aussi l'année où il va connaître, comme tous les jeunes de cette époque, ça. One, two. Il va alors s'intéresser au rap et à l'écriture de l'une de ses futures passions qui feront de lui ce qu'il est aujourd'hui, la poésie et le sport. Boosté par la détermination inculquée par son père, comme j'ai pu l'énoncer avant, Omari Hardwick tient à ne jamais perdre. Il va retenir une phrase que son père n'a cessé de lui répéter, « Tout ce que tu penses, faire est toujours à ta portée ». Cette phrase va retentir comme un écho dans sa vie et va donner le résultat suivant. Il va exceller au baseball, il va être talentueux au basketball, mais il va encore plus se faire remarquer dans un sport, le football américain. Where were you born? So I was born in Savannah, Georgia. Savannah, Georgia. Oh. Which is beautiful. So I'm from, Ryan has thrown me that lob because Georgia raised me.
Mm-hmm. Ryan and I share in common that we're raised in Atlanta, Georgia. Mm-hmm. But I was born in Savannah, Georgia, which is mom's side and pop's side are both from Savannah, respectively. So we share more than that. We're both athletes. We're both athletes. I grew up in Decatur, Georgia, but went about 45. It would have been like growing up in Harlem and then going to Westchester, go to high school. Ryan grew up in the Westchester. That's right. And you went there to play football? I played football, basketball, baseball, track, did the whole thing. Ryan was at Dunwoody, which is where my younger brother went to school. He was at Dunwoody. And so Ryan Seacrest and I have known each other a long time, but he had money when I was broke. Bien qu'il soit reconnu dans ses différentes disciplines, Omari Hardwick va se passionner de plus en plus à la poésie et au théâtre. Et c'est là le début de quelque chose. Mais disons qu'à l'âge de 18-19 ans, en vrai, t'es pas vraiment sûr de ce que tu veux faire vraiment. Et donc, avec son talent et sa détermination, il va tout de même tenter d'intégrer la NFL. Et vous allez comprendre que l'échec n'est pas réellement une fin en soi pour Omari Hardwick, puisqu'il va tout de même tenter d'obtenir une licence professionnelle en NFL. Il passe tous les tests qui lui permettra de faire ce match ultime qui pourrait réellement changer sa vie et faire ce qu'il aime. Déterminé, le gars va s'entraîner, mais quand je vous dis tous les jours, pour être prêt le jour J. Il suit une nutrition drastique, adopte une rigueur dans son mode de vie et cela va lui permettre de mettre toutes ses chances de son côté pour être justement prêt ce jour J. Le jour de match arrive et il va tout donner pour le match d'une vie. Et là, après tous ses efforts, tous ses heures d'entraînement et sacrifices, Omari Hardwick, bah au final, n'est pas sélectionné. Bon, dans ce contexte, vous avez compris, Omari Hardwick va donc vivre son premier échec. Il va tomber de haut, mais ce revers va permettre à Omari de s'ouvrir à ses autres passions et s'y concentrer. Après l'obtention de son diplôme à l'Université de Géorgie, il décide de se tourner vers son autre passion, l'acting. Une passion qui au départ n'est malheureusement pas partagée par les parents. On peut le comprendre, et c'est normal, ils avaient sûrement la crainte, comme tout parent qui souhaite la réussite professionnelle pour leur enfant, que cela n'aboutisse pas. Bref. À ce moment-là, Omari Hardwick se retrouve à se poser des questions. Et là, il va tout de même prendre ce courage à deux mains et saisir l'occasion de déménager à Los Angeles. Le gars est complètement déterminé. Une décision à haut risque puisqu'il part vers l'inconnu pour tenter sa chance en prenant des cours d'acting. Et ses parents ont peut-être raison, ça va être le début d'une période compliquée dans sa vie. Et donc, c'est le début d'une période qui va se dire très compliquée dans la vie d'Omari Hardwick. Puisque les cours à Los Angeles, eh bien, ça coûte un bras, ça coûte cher. Le niveau de vie hollywoodien n'est pas donné et c'est très compliqué. Pour assurer le paiement de son apprentissage, il va donc enchaîner les petits boulots. Livreur de pizza, gardien d'immeuble, bref, Omari Hardwick connaît le moment de la descente aux enfers. Le gars va, ce qu'on dit, struggle. Plus de ressources pour subvenir à ses besoins, il va donc même, pour vous dire, jusqu'à vivre dans sa voiture. Mais on est quand même sur quelqu'un qui est déterminé. Même s'il vit dans sa voiture, même s'il est entre guillemets au bord du gouffre, le gars va quand même garder la tête haute et va tenter le tout pour le tout dans cette ville de Los Angeles. Et donc on va avancer dans son histoire de manière chronologique. Malgré le fait qu'il n'ait pas été sélectionné quand il était jeune à la NFL, Omari Hardwick va quand même se servir de son expérience pour former dans un lycée qu'on appelle Campbell Hall. Mais ce n'est malheureusement pas un salaire d'assistant qui va l'aider à subvenir à ses besoins. Donc il est toujours sans argent, sans toit et réellement sans connexion. Au moment où tout ne semble pas jouer en sa faveur, où il se dit que ça y est, il se retrouve possiblement au pied du mur, c'est bon, c'est la fin, il est contraint d'arrêter ses cours d'acting, ses parents avaient peut-être raison, la vie hollywoodienne est trop chère. Au moment où il se dit ok, il y a le déclic, il dit là c'est bon, il va rentrer à Decatur. Là, les gars, il va faire la rencontre qui va changer sa vie. Coup du destin, guidé par sa bonne étoile, ce que vous voulez. Il va avoir cette chance de rencontrer l'une des figures la plus puissante de Hollywood, la famille Denzel Washington. I came out here with not a lot of money. I met Pauletta and Denzel Washington via John David, their oldest son. And I worked at Campbell Hall, the high school he went to here in the Valley. And I was teaching, substitute teaching, but coaching, and I became more so specifically his mentor. Wow. And his trainer at UCLA on Saturday mornings. And so that sort of gave me an inroads to this sort of avuncular figure in Denzel and an aunt figure in Pauletta. And mm-hmm. they
perfectly and appropriately didn't help me out, you know what I mean? Right. They gave me shelter when I didn't have a place to stay or whatever, but they sort of just allowed me to be close enough to the family. So. En effet, il va rencontrer Denzel Washington par le biais de son fils aîné, John David Washington. John David était un des élèves Kamari Hardwick formés au football américain dans le lycée. Il devient par la suite logiquement son coach et son mentor à UCLA. Et donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'acteur, c'était celui qui jouait dans Tenet, vous savez, avec Robert Pattinson en second rôle. Je crois que ce film était sorti pendant le Covid. Et donc, dans une routine de complicité, Omari Hardwick va rentrer dans le cercle d'amis proches de la famille Washington. Ils vont l'accueillir dans leur maison, et c'est à ce moment-là qu'il va commencer, plus ou moins, à sortir la tête de l'eau. Je dis bien plus ou moins. Il reprend petit à petit ses cours d'acting et va décrocher un boulot, et j'ai fait mes recherches, je me suis dit c'est un truc de dingue, de pompier. Il va décrocher le boulot de pompier. Ça va l'aider petit à petit à pouvoir financer sa formation. Et ouais, je me dis que Omari Hardwick a été une fois pompier. Bref, et le gars a tout pour charmer les filles. C'est un truc de dingue. Bref, à noter qu'Omari Hardwick n'est pas le seul acteur à qui Denzel Washington a tendu la main. Un certain Chadwick Boseman, lui aussi, a été aidé par cette même personne, et je dirais même Michael B. Jordan. Mais ça, on en reparlera dans un prochain 100% acteur enquête, qui sait. Ouais, je pense même qu'on va le faire parce que, pareil, on est bien d'accord qu'il a marqué les esprits de toute une communauté. Bref, revenons-en donc à Omari Hardwick. Avec tout ça, le gars va avoir tout de même une mentalité, mais de fer, ok? Avec toutes les répercussions de son éducation qu'il a reçue fermement par son père, il ne lâche rien. Et ses cours d'acting vont porter leurs fruits, puisqu'il va décrocher, accrochez-vous bien, son premier rôle télévisé, Soccer Free Silly, est réalisé pas par n'importe qui, par Spike Lee. Spike Lee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur avec un palmarès épicé de films et de séries masterclass. On peut en citer quelques-uns, on a Malcolm X avec Denzel Washington, on a Inside Man, on a Love and Basketball. Le gars va même réaliser le clip They Don't Care About Us de Michael Jackson. Bref, t'as compris le délire, Spike Lee est un mastodonte dans l'industrie. Vous imaginez donc, Omari Hardwick se voit à ce moment-là décoller. Il va voyager pour San Francisco sans se poser de questions où se déroulera le fameux tournage. Bref, le gars arrive sur place, il fera partie du casting du projet, qui s'est vu à la base comme une série, le tournage débute et boum, changement de programme, le projet évoluera comme un format long métrage télévisé et qui sortira du coup en 2004. Le gars n'a pas de chance, c'est plus une série, ça devient un film télévisé. Hey man, I'll tell you this. If it ain't Rakim, you can turn that other shit off. That shit is real. You feel me? I got that. You feel me? Yeah, I feel you. Man, come on, you don't know nothing about shit. It's the popo. Bye, bro. Love, we alright? Give me your bag. Get the bag, Lil O. Get the bag. Give me the gun, Dante. Nigga, D, give me the gun, man. Turn this corner right here. Get out. Get out. Hey, yo. I done already counted how much in here, alright? Come back short, don't come back at all, Luo. You hear Why me? Why you gotta tell me that? Because every time you forget. Take this. Et donc là, pour tourner ce film, Omari Hardwick a fait ce pari risqué, par faute de temps, d'arrêter ses petits boulots. Ouais, il n'y a pas eu de moment de préavis, de lettre, machin, non, il est parti directement. Il s'est consacré pleinement à ce projet, qui, finalement, n'a pas le résultat escompté. Le film n'a pas de repreneur fiable pour être diffusé et se voit donc finir aux oubliettes. Omari Hardwick va donc continuer, malgré lui, de vivre dans la pauvreté. Malgré l'issue de ce film, l'année suivante, Omari Hardwick va continuer de persévérer et va jouer dans le film réalisé par Queen Latifah, Beauty Shop, où il jouera Byron. S'enchaîneront ensuite plusieurs films. En 2006, on le retrouvera dans le film Coast Guard. En 2008, il jouera dans la série NCIS Expert Miami. Là, à ce moment-là, je me dis, le mec était incognito, parce qu'on a jamais, on n'a jamais su ça. C'est en 2010 qu'Omari Hardwick va se révéler pour la première fois dans un grand film hollywoodien, enfin. Et là, on parle de Kick-Ass. C'est d'ailleurs là, pour ma part, la première fois où je découvre cet acteur à l'écran. Il jouera le personnage de Marcus. Ça y est, le gars en a fait du chemin, il a galéré. Bref, Omari Hardwick n'est pas encore un acteur bankable comme on le connaît aujourd'hui, mais son nom commence à s'installer petit à petit dans le milieu où il réussit à faire ses preuves. Mais il n'est pas encore au courant que, au loin là-bas, là,
Il y a une personne qui va radicalement propulser carrière d'Omar et Hardwick au pic, vraiment au summum, au sommet. Et vous savez de qui je parle. This is 50 Cent. We here on set of Club Truth. It's a power show. It'll be out this actual summer. You don't want to miss it. It's going to be a big hit. Got an all-star cast and team together, so I'm excited about it. I'm serving as executive producer on this project, so you get a chance to see what I came up with. Et donc, en 2014, une nouvelle série fait son apparition sur Starz, Power, produit par 50 Cent. Une série qui, comme vous le savez, va clairement battre des records d'audience et surtout fédérer un nombre important d'aficionados, dont moi, bien évidemment. Pour la petite anecdote, Michael J. White devait normalement jouer le rôle de Ghost, mais par souci de planning, Omari Hardwick s'est retrouvé directement en candidat numéro 1 pour 50. Mais les gars, il faut savoir que les choses n'ont jamais été aussi simples, hein. C'était pas aussi fluide qu'on aurait pu le penser, puisque 50 Cent a galéré pour réussir à avoir Omari Hardwick. But your character, you know, you're trying to do the right thing. Yes, you know, you're yes. trying to. He's trying. Yeah, but you just can't quite. I think it's the reason, you know, when Courtney Kemp, the show's creator, and Curtis, a two-hour conversation. I was in Atlanta, where you and I connected originally. Yes. The world doesn't know I was a dreaming kid trying to figure it out when Incredible Robin was on V103. Mike Barber's in the morning. In the morning. Yeah. Yeah. And Curtis called me. I was in Atlanta, and he called me and he talked to me for about 2 hours about the show. And about the character and how many colors the guy had. And so I signed on. So he's trying to do right. And I guess that's why people are empathetic. They're mad at Kanan. Yeah. Yeah. But they forgive Ghost. But I don't think we'd have a show if he wasn't Ghost, right? There's a ghost in everybody. Thank you. Je vous explique. En effet, Omari, à la base, n'était pas emballé par le projet. Et il a fallu 2 heures de conversation avec 50, bien évidemment 10 autres minutes avec Courtney Kemp, pour qu'il parvienne à persuader Omari Hardwick de jouer le rôle de James St. Patrick. Bref, s'ensuit alors 6 saisons où Omari Hardwick va clairement briller dans ce rôle à tel point que sa popularité lui donne une légitimité auprès du public. Il incarne tellement le rôle, le gars, qu'il devient entièrement l'image de la série. En clair, Power, c'est plus 50 Cent ou Courtney Kemp, c'est Omari Hardwick. Au point même où les fans, accrochez-vous bien, commençaient à faire l'amalgame entre la fiction et la réalité. Et donc là, je vais m'expliquer. En effet, la communauté afro-américaine, voire la communauté noire du monde entier, se sont clairement identifiés comme des ghosts. Vous savez, un entrepreneur qui part de rien pour construire un empire, jusque-là, ça va. Mais cette popularité grandissante va agacer celle qui, à la base, était à la création, Courtney Kemp. I'm super excited to bring this to you guys because I'm, you know, really passionate about people of color being shown not only in the street life but in an academic setting as well. I think the thing that's so hard is that sometimes I think people enjoy our content for the wrong reasons, and they like seeing us, you know, hurt each other or be vicious. And yeah, that's part of the show and part of what we do. But there's also something else that I want to show, which is the positivity of people of color and women and LGBT plus folk, you know, people creating and being in front of and behind the camera. And I'm just so excited, you know, for everybody to, you know, start this. À partir de ce chapitre, je vais théoriser plus ou moins sur la relation qui a semblé se dégrader petit à petit entre Omari Hardwick et Courtney Kemp. Commençons déjà par les raisons qui ont poussé Courtney Kemp à faire évoluer le personnage de Ghost. Le but de Courtney était de montrer à travers le petit écran l'histoire d'un personnage noir américain qui évolue dans un monde post-électoral de l'ère Obama. Et ce qui va être paradoxal, c'est que Omari va interpréter ce personnage avec 3 casquettes, d'ailleurs brillamment réussies. On a Jamie, l'ado devenu adulte n'ayant pas oublié son premier amour de lycée, Angela Valdez jouée par Lena Lorraine. James St. Patrick, un entrepreneur légal qui souhaite évoluer le plus loin possible. Et Ghost, le kingpin de New York, baron de la drogue, qui est finalement celui qui prendra le dessus, d'ailleurs, sur les 2 autres personnages et les mener à leur chute. Et donc, cette réussite mène malheureusement à la perte, et c'est ce qui va réellement se passer dans la fiction comme dans la réalité. Courtney Kemp va faire face à plusieurs critiques car sa morale ne fera pas l'unanimité avec la majorité du public.
Autant elle a eu l'idée brillante de créer un personnage phare et complexe, autant elle sent les critiques violentes d'une partie du public qui prend de plus en plus d'ampleur. En effet, certains l'accusent de vouloir, au fur et à mesure qu'avance l'intrigue, victimiser le personnage de James St. Patrick pour montrer à la communauté blanche qu'un personnage noir peut s'en sortir. Vous avez compris l'idée. Et donc il y a à travers ce message un sentiment de rabaissement auprès d'une partie de la communauté noire et afro-américaine. Et ce qui va être intéressant dans tout ça, c'est que Courtney Kemp, sur les réseaux, va répondre aux critiques, mais va aussi se rendre compte que le personnage de Maria Hardwick est tellement phare qu'elle reçoit plusieurs menaces. Ça a d'ailleurs été le cas pour une période donnée avec l'acteur Michael Rainey Jr. qui a reçu des menaces de mort en réalité pour avoir tué Ghost dans la série. C'est pour vous dire comment ça allait super loin. Pareil pour Lela Lorraine qui se voit menacée en réalité car elle a brisé le mariage de Tasha et James St. Patrick dans la série. Bref, du grand n'importe quoi. Et là, on peut comprendre la vision de Courtney Kemp. Courtney Kemp va faire donc petit à petit évoluer le personnage et faire en sorte que tout le monde le déteste. Je m'explique. James St. Patrick va passer du père étant proche de sa famille et protecteur à père qui ment et qui commence à développer des secrets qui va à l'encontre de sa famille. Et il va jusqu'à, accrochez-vous bien, lever la main sur Tasha. Ce qui amène Tariq à le détester et justifier au grand public le meurtre qu'il va commettre plus tard pour l'éliminer. Il devient tellement arrogant qu'il est prêt même à snitch sur son fils pour évoluer dans le monde politique. Une fin qui n'était pas partagée d'ailleurs par Omari Hardwick. En effet, Omari voyait une fin beaucoup plus poétique, une sorte de fin à la Roméo et Juliette, mais entre frères. Et donc je développe mes propos, il visionnait une 7e saison avec pour enjeu Tommy Egan qui se met en danger et pour qui James St. Patrick allait donner sa vie pour le sauver. Et à ce moment-là, normalement, Tommy devait lui aussi mourir. En soi, ça aurait été une fin héroïque pour le personnage, mais Courtney Kemp et 50 Cent ne l'ont pas entendu de la même oreille. Et donc cette longue épopée prendra fin avec de la frustration de la part d'Omari et du staff du Power Universe. Plusieurs déclarations feront surface par la suite de la part de l'acteur sur le fait qu'il n'a pas eu le salaire qu'il devait avoir par épisode. En gros, Omari Hardwick a été payé 150 000 $ par épisode, ce qui en effet peut être peu pour ce que Omari Hardwick a apporté à la série. Et donc si on compare avec des héros principaux, des grosses séries comme par exemple Kit Harington qui joue Jon Snow dans Game of Thrones, c'est 300 000 $ par épisode et près de 500 000 $ pour les derniers épisodes de la série. Bref, il n'y a pas photo pour ce qu'il a apporté, il aurait pu mériter plus. Les gars, c'était pas cool. Et en vrai, rendez-vous à l'évidence que aujourd'hui, le Power Universe compte plus de 3 spin-offs qui ont vu le jour et qui sont tous interconnectés partant de son personnage. C'est énorme. C'est énorme. Sans compter qu'en plus de ça, pendant cette période de gloire, Omari Hardwick va perdre son fils, va perdre son frère, va perdre sa sœur, et cela en 3 ans d'écart chacun. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Bref, malgré tout ça, vous le savez, hein, le gars va garder la tête haute et il a fait le taf. Et personnellement, je regrette la tournure que prend sa carrière à l'heure actuelle. C'est pas qu'il fait des choses nulles, mais je trouve qu'après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré, Omari Hardwick mériterait quand même d'être dans des films à gros budget en tant qu'antagoniste ou rôle principal, tel un Michael B. Jordan aujourd'hui, par exemple. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'espère que Courtney Kemp et 50, ainsi qu'Omari Hardwick, trouveront un nouveau terrain d'entente pour qu'ils réapparaissent dans le Power Universe. Car nous, les fans de la première heure, on attend ça en tout cas avec impatience. Et dernièrement, il a apparu dans une série qui visiblement est diffusée sur Paramount Plus et tourne autour de l'univers du football américain, si c'est pas une coïncidence. En tout cas, le gars aujourd'hui a 49 ans et regardez le beau gosse qu'il est. Quand on dit que Black Don't Crack, c'est réel. Je vais le prendre pour exemple, ce gars. D'ailleurs, je le remercie parce que c'est grâce, enfin du moins, c'est en tout cas, c'est à cause de lui que j'ai créé cette chaîne donc et ce nouveau format. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très vite pour un nouveau 100% Acteur en Quête. Bien évidemment, si tu ne l'as pas fait, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Et nous, on se dit à très vite. Dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.